Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Meilleur des Marmottes. Après le Pirate Face, nous avons le Shaman Face, le grand retour. C'est une version, en fait, quand vous voyez la decklist, vous dites, eh mais, Gaethje Zen est sorti. Parce qu'en fait, on a complètement enlevé la griffe, bon, c'est comme griffe de Jade, éclair de Jade. Mais en fait, on a complètement enlevé tout ce qui est Aya, on a enlevé tout ce qui est la griffe, Boucanier, qui sont devenus, en fait, au final, des cartes trop faibles. On est revenu dans une version quasi près Gaethje Zen avec beaucoup beaucoup d'early, les marteaux, les crocs-crocs pour essayer d'aller tuer l'adversaire le plus vite possible, les 7-7, double portail pour les miroirs ou pour les guerriers. En fait, une version assez, envie de dire, à l'ancienne, qui doit, du coup, qui est moins forte, un peu plus explosive, mais un petit peu moins forte sur la durée. Notamment moins forte, tout simplement, car en fait, on n'a plus tout ce qui est côté Jade qui peut nous permettre de win des games un peu perdus. Donc, on met directement la 3-4. Voir ce qu'il nous fait. Jade. Allez, on part sur Finlay pour l'aventure. On part Finlay qui va donner le pouvoir du ping, hein. Pas trop le choix ici. On va dans la gueule. De toute façon, si on prend balayage, on prend balayage. Je peux rien y faire, donc juste prendre le trait. J'aurais pu prendre le trait de là pour un peu tourner autour du balayage. Côté totem langue de feu. Mais ça me paraît un peu faible par rapport à 3 points de dégâts. Fandral. Ok, la Jade, ça va ça. En fait, on a bon trade sur Fandral, donc c'est plutôt cool. Était dans la gueule. Je pense qu'étonnamment, ou pas étonnamment, les trades à ce tour sont bons. Parce qu'en fait, on est obligé de tuer Fandral, notamment à cause du nourriche. Ça, le trade est free. On prend le ping. En fait, le balayage était déjà tellement excellent au tour précédent que je me dis que peut-être il l'avait déjà en fait et qu'il l'a pas joué. Enfin, peut-être il l'avait pas. Sinon il l'aurait joué, parce que le fait de mettre un bord comme ça, t'as un balayage qui tue tout. Ça me paraît très étonnant qu'il l'ait pas fait. Bon, après, s'il vient de la droite, il vient de la droite. Et mode de Jade, c'est ça. C'est bien ce que je pensais, un tour plutôt faiblard. Donc on a la griffe. On a la griffe, on a l'éclair, on a un tas de choses qu'on peut mettre. On peut mettre 5 et 1 ping. C'est legit. Rien de 5 et 1 ping, c'est qu'on met pas Big Mama. Après, on peut mettre Big Mama. 5. Le trade. Pourquoi pas? Question c'est, est-ce qu'on prend le trade là, sachant qu'il n'y a qu'un point de vie? Oui. Et on met 3 fesses. Comme ça, même s'il avait une 7-7. Oui, comme ça, on la défense. Allez, le nourrice, il est à la recherche de la solution perdue. Parce que là, il sait qu'il prend 12 et 12, ça fait beaucoup. C'est pas plaisir, surtout 12. Allez, s'il a pas patte, c'est terrible pour lui. J'aimerais bien que ce soit terrible pour lui. Je vais pas vous mentir. Terre de la gauche. L'arrache la rouge, il va chercher à 0-3. C'est pas ouf, mais on veut dire qu'au moins il économise 4 points de vie. Il dépense nourriche comme c'est pioche une carte. Enfin bref. On va continuer à double marteau. Bah écoutez, allez dans la gueule, hein. Pas trop le choix. Double marteau, c'est un marteau de trop, comme on dit souvent. Il a pas de sharpie, sinon il l'aurait joué. On essaye de push, de push, de push un maximum. L'ancien de la guerre certainement va pop. J'aimerais bien que non. C'est quand même vraisemblable qu'il soit là. S'il n'est pas là, on a gagné en fait. Deuxième nourriche, il n'a pas d'ancien de la guerre. Il est toujours à la recherche de la charpie sacrée. Du mulch magnifique qui viendrait le sauver. Que j'espère qu'il n'a pas. Énerve. Balayage colère. Et ça réjouit. Ok. Pas de mage, la 7-7, elle a mis des tartes. Elle a fait bouffer le druide, elle a fait manger les pissalis. Les pissenlits par la racine au druide. Et c'est très très bon. Et du coup, on va relancer avec la fougue de la jeunesse. Et du coup, la velléité de faire smork, 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 where no smork meet. Bien. Tral contre Valyra. Et du coup, on a une écuyère qu'on gardait pour le premier tour. Le reste, on va relancer. Ça smork passe. C'est le sans visage. Quand on joue contre un deck comme ça qui peut avoir des saps, qui ça peut être un peu tendancieux. On va bien voir. L'écuyère. Boucanier, Neneuil. Et Face.
Play trade, pardon, je vais prendre un bon trade là-dessus, j'ai envie de vous dire. On sait comment ça joue pirate face aussi. Ping ou smork? Smork, bien sûr. Bande de grands déconneurs. Allez, soit esprit farouche, soit cahier d'argent, je sais pas, ça dépend de son tour. Pièce. Agent du CD de Michael. Je suis un génie. Donc on va pouvoir peut-être même éclair ping, enfin face, je ne sais pas, je n'ai rien de prévu. On va prendre l'éclair du coup, 1m3. Vu qu'il a fait la pièce et qu'il n'aura pas de gros pire, un truc comme ça au prochain tour, on pourra faire cavalier d'argent ou esprit farouche. Ou peut-être cavalier d'argent, je ne sais toujours pas, voir ce qu'il nous propose. Un coup d'œil à Matelot, du coup on va aller chercher Sir Finlay Murglesmork. Très bien, Sir Finlay Murglesmork, du coup l'esprit farouche. Peut être sur pouvoir héroïque cuillère ou cavalier d'argent, en tout cas les un des deux devrait survivre. Normalement cette version de voleur n'a pas de taunt. Ah! Ouais, du coup il reprend des points de dégâts, je n'ai rien besoin de mettre, moi je signe. Où est-ce qu'on signe? Il y a un cavalier d'argent. Et pas de panique mon chou, la cavalerie is here. Ok. La lumière me protège. On continue à optimiser les points de dégâts. Notamment parce que même si on met une coup d'axe, c'est fait que 3 mana et moi ça me va bien, sauf qu'on a les cuirs à côté. Donc on continue à attaquer encore et encore. C'est que le top deck, d'accord. Il prend 2 pour me mettre 2. Je pense qu'à terme c'est pas bon pour lui, mais moi ça me va bien. Je pense que c'est vraiment pas bon pour lui. Ça, on met combien ici? Le but c'est temps, on le met combien? On met 3. Griffe, trade, face. Alors on prend la griffe, on trade, on va dans la gueule. Le petit pouvoir du ping, on se met bien. On se met bien, on a l'explosion de lave, l'éclair de jade, le cavalier d'argent, on est encore à 24, je vois pas trop quand il peut me... C'était pas un truc trop smork dans la tête en deux tours. Sachant que moi... Ok, ça va recréer une arme ça. C'est certainement le corsaire naga. Ouais c'est ça, le corsaire naga qui arrive, du coup on va faire l'éclair de jade. Et un ping à moins qu'on ait de l'étal. Attends, on a combien de mana? 2, 3, 4. On n'a pas de l'étal. Donc on fait l'éclair de jade. Bim, badabim, bim, badaboum. Alors on le met à 9. Et logiquement par contre, cette fois-ci c'est bon. À moins qu'il nous traite tout. 5 et 2, 7. Ça sent le D0 avec le jeu. Ah mes amis, mes aïeux. On se met bien sur le coup. Enfin j'espère qu'on se met bien. On se met plus ou moins bien. Fief et Forban. Ouais. Je suis la nuit. Ouf. Quand j'ai vu à la Z, je me suis dit pour peu qu'il attaque sur nos éviscérations. C'était la PLS, mais là, pas de PLS. 5 et 4 qui font 3. GG, 2-0. Après le druide, c'est le voleur qu'on a défoncé. Bon, sans coup de marteau croc-croc, ça arrivera bien un jour. On va relancer une troisième game. J'aime quand les games se déroulent sans accro. C'est-à-dire comme ceci, ça fait plaisir. Quand Hearthstone c'est comme ça. C'est du bel Hearthstone, c'est du Hearthstone champagne. C'est du Hearthstone qu'on aime, et oui. C'est beau. C'est fou. Et on rejoue contre un druide électron. Est-ce que c'est le druide que j'ai rencontré avant? Je ne sais plus. Je ne sais pas, je suis perdu. Pourquoi? Tout ça n'arrive qu'à moi. On va absolument garder que le jongleur de flemme qui est un T2. Le reste, on veut du T1. On veut des trogs. Bon. On a Finlay, jongleur et tout sans visage d'un bête flamme. Je peux pas vraiment me plaindre. Le tour 1, 2 et 3 est curvé. Comme on dit. Et ça, c'est nice d'être curvé. C'est very, very, very nice. Alors, électro. C'est bon. Nous avons... MDR, maîtrise la dague. C'est le seul pouvoir qui peut faire éventuellement un point de dégâts ici. Le reste, c'est un peu le seum infernal. Pas bon ça, on avait le pouvoir du démoniste, du smorg, du chasseur, voire du druide pour aller avec le marteau du destin, mais là. Ouais, c'est pas grave, on va poser le jongleur de flamme. Ça va mettre un point de dégâts plus un 2, better than nothing, comme on dit. Oh, trog, oh,
On va poser toujours le troc, parce que même si on met un point de moins prochain ce tour-là, le fait de pouvoir faire pièce sans visage d'un bête flamme, notamment si, comme je le pense, il fait sa floraison de jade à ce tour, c'est très très bon et très 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 solide. Et on aime très très bien quand c'est très très bon et très 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 solide. Je me demande. Ah ouais, et racine du coup qui pop. Bah ok hein. La finalité c'est quand même que je vais mettre la 7-7. Une finalité intéressante. Je vois pas quel draw que je mettrais pas la 7-7. Oh! Bah je mets la 7-7 dans la gueule. Allez, on y va. Toujours pareil, soit il a charpie, soit il est mort. Enfin, soit il a charpie, soit il est mal. Je préfère qu'il l'ait pas, je vais pas vous cacher. Moi je suis pas, je suis un mec bien, mais je préfère aller Ah! Diantre. Ok, Idole Corbeau il la cherche. Il ne joue pas Jade alors si on voit Idole Corbeau. Il ne joue pas Jade, il doit jouer autre chose. Peut-être Maligos, Golem Arcanique, tout ça, tout ça. Mais il l'avait en fait. Je sais pas ce qu'il cherchait, mais il l'avait. Je prends note et je m'en félicite. En vrai, c'est cool ça, parce qu'en fait, c'est une carte qui a rien me coûté. Tu casses forcément le marteau de destin qui arrive au prochain tour pour la violence. Prophète sera jouable d'ici quelques tours, un double explos de lave, donc on veut claquer le maximum de points de dégâts de la main dans le dans le dans le dans l'arrière-train adverse le plus vite possible. Drake Azur, on sent tamponne les babouches, on va devoir se morquer. En plus on a tellement de points de dégâts en main que. Vouloir faire autre chose, enfin on a déjà 13 en main, vouloir faire autre chose que se marquer n'a aucun sens. Donc wait and see. Voir comment il va pouvoir s'en sortir. Et là il voit un marteau, il dit là, oh non si y a croc-croc, oh mon dieu si y a croc-croc, eh ben, je veux pas de croc-croc, oh mon dieu si y a croc-croc. Ou alors il est là, j'ai Harrison, j'ai mon limon, j'ai Harrison. Et peut-être comme ça, il est peut-être comme ça. Tu vois dans sa tête c'est peut-être comme ça, il est déjà en train de faire Brasil, Brasil. Ok Baléa, je prends mes... Prends de dégâts. Et il joue Jade? Ah non, créé par Idole Corbeau. Ok, vous voulez que je vous dise? Bah ok. Ah, portée du Maelstrom. Ok. Dans la gueule! Bah, bien sûr que c'est spectaculaire, c'est mieux, c'est Neneuil. Bon, puis on a l'étal au prochain tour. Enfin, pour l'instant, on a setup l'étal au prochain tour. On a plus setup l'étal à ce tour-ci. Quelle diablerie. Alors, je peux faire une explode de lave et prendre 10. Quelle est ma meilleure chance de gagner? Si je fais double explode de lave là-dessus. Je lui mets 5, il est à 9. Que faire? C'est horrible parce qu'il n'y a rien qui est ouf ici pour passer. Vraiment rien qui est ouf. On va devoir faire peut-être double explode. Explo, explo ça. Ah, il faut que je top deck un burst au prochain tour, c'est compliqué. Si je top croc-croc, c'est mieux de le tuer. Allez, tant pis. Aussi fou que ça puisse paraître, je pense que c'est ma meilleure chance de gagner la game. C'est d'essayer de choper un croc-croc. Au moins, il n'y a pas trop de points de dégâts en face. Puis sans que ça, si jamais il a une deuxième 5-10, j'ai perdu. Qu'a-t-il faire? Tout cas, il réfléchit, c'est déjà bon signe. Continue à réfléchir. Peut-être que c'est pas si facile que ça. Le croc-croc, le croc-croc, le croc-croc, le croc-croc, le croc-croc, le croc-croc, le croc-croc. Bon, électron! Fais pas ton enfant! Oui, choléra, c'est très bien, on s'amuse. On s'en fout! J'ai fait le bon choix, c'est l'heure du croc-croc, mes amis! Pas du tout! Mais c'est pas grave! Car avec ce coup dans la tête, puis ce coup-là, éclair! Plus éclair, le létal a été créé! Et nous avons vaincu. 3-0, je crois qu'il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose, le chemin marche toujours autant.
Il est face, il est un peu différent. Mais que vous dire? C'est l'Hearthstone qu'on aime. C'est l'Hearthstone où t'as le temps de faire une game, le temps d'aller aux toilettes. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à la partager, histoire que le monde entier sache que le chaman est de retour. Histoire que plus tard vous m'insultiez en disant Marmotte, c'est ta faute si je rencontre ce deck. Ça me fait toujours plaisir. Ciao ciao YouTube!